Comment faire dans un exercice quand on vous donne un rayon incident et qu'on vous demande de le faire émerger en utilisant un foyer secondaire objet? Tout d'abord, faisons une remarque, c'est qu'ici il n'y a pas besoin de chaîne d'image puisqu'il n'y a pas d'objet ou d'image à construire. Non, seulement un rayon qu'on nous demande de faire sortir. Alors, si on nous oblige à utiliser un foyer secondaire objet phi, ce foyer secondaire objet phi, il est quelque part à la verticale de F, le foyer objet. Il se situe à l'intersection de cette droite verticale et d'un rayon incident. Mais un rayon incident, nous en avons déjà un à disposition. Donc, nous avons directement ici localiser un foyer secondaire objet que l'on va pouvoir utiliser. En effet, tous les rayons qui vont passer par ce phi émergeront parallèles entre eux. Prenons donc un rayon différent de celui qui est donné, un rayon que nous saurons faire sortir, et quand nous l'aurons fait sortir, eh bien nous saurons qu'ils émergent tous comme ça, y compris le rayon qu'on cherche à faire sortir. Donc, je vais prendre un autre rayon qui passe par phi. Ben, je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais prendre un rayon facile à faire émerger, un rayon incident parallèle à l'axe optique, parce que je sais que ce rayon incident émergera toujours en passant par F'. Hop. Comme ceci. Désormais, je sais que tout rayon qui passera par ce foyer secondaire objet phi émergera parallèle au rayon émergent que je viens de tracer. Et c'est donc le cas du rayon incident qu'on m'avait donné en début d'exercice. Je vais donc pouvoir le faire sortir. D'abord, je lui fais traverser HH' et puis je le fais sortir parallèle à celui-ci. J'indique le fait que j'ai fait des parallèles et c'est ainsi que j'ai fait émerger un rayon quelconque en utilisant un foyer secondaire objet.